là où le vent est en hausse entre midi et deux sur la Canoro, bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est perturbé, gris, couvert, avec des éclaircies, des grains, des averses. Une température extérieure qui est relevée à 14 degrés, une température de l'eau à 13-14 degrés. Une marée qui est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 15h05, des coefficients de 71. Et sur cette marée qui descend, ben, le vent est onshore fort, ouest-sud-ouest, il y a 6-7 beaufort établis. Des fois sous les grains, ça monte à 7-8. Hein. Il y a quand même du 55 km/h, 50-55 km/h établi. Et puis tout à l'heure, là, sous le grain, je me suis échappé juste avant. La rafale, elle est montée à 64 km/h. Clapoté moutonné, le plan d'eau, une houle longue de 11 secondes de période. Et là, les stagiaires, là, ils sont sortis de l'eau. Hein. Sous le grain. Et une houle sectionnée de 11 secondes de période qui était à la hausse tout à l'heure sur la boîte Artache en Gascogne dans les 5 mètres avec 9 à 10 secondes de période. Et là déjà ça grossit hein, par rapport à 11 heures. Il y a un déferlement régulier à la hauteur de 2,50, série qui rentre fréquemment à 3 mètres et grossette à la hauteur de 3,50. Il n'y a rien à faire, même au bord dans les mousses, là sous les grains, c'est difficile. L'évolution pour le reste de la journée, la houle va grossir mais moins que prévu. La boire cache en Gascogne est à la hausse à 5,40 m et 10 secondes de période. Et donc on attend à 13h 3 à 4 mètres. Ah, 17h, pardon. À 17h 3 à 4 mètres. Houle. Ouest à ouest, nord-ouest, 12 secondes de période, vent d'ouest 7-8. Et peut-être que sur la toute fin de journée, ça devrait se rapprocher d'un petit 5 mètres, mais au coucher du soleil sur les coups de vent. Voilà, bon dimanche.